Coucou. Bonsoir tout le monde. J'ai plus mon logo. J'arrive, je fais les derniers réglages, non, réglages. Coucou les filles. J'ai retrouvé les commentaires sur mon ordi, dis donc. Commentaires. Ah bon? Ils sont venus maintenant? Non, j'ai. Ben, c'est ce que je faisais là tout à l'heure. J'étais en train de les réinstaller. Je règle le logo. Évidemment, j'ai pas choisi le bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà, c'est fini. Déjà? Ouais, j'ai fini. On va se coucher. Suis. Chris Baudin demande s'il y aura un replay ou si où il se trouvera. Alors, il y a les replays sur YouTube. Maintenant, systématiquement. Et apparemment, l'idéal est de suivre. Le live sur YouTube, elle est de meilleure qualité, l'image. Voilà. Coucou Magradi, coucou Lilib, coucou Karine. Bah, tu m'as pas lu les messages? Coucou Océane. Coucou Sandrine, je vous remonte, hein. Coucou Patricia, coucou Véronique, coucou Alix, coucou Karine, coucou Dolo, et t'étais où aujourd'hui? Elle n'est pas venue pointer. Non, elle n'est pas venue pointer. Coucou, 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 coucou. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne, mais le temps que je remonte, il y a Florence, coucou Florence. Voilà. Bonsoir Laure, André, coucou ma petite Mimi. Coucou ma petite vampire, des bisous. Voilà. Coucou Alex. Coucou Sandra. Voilà. Je pense que Coucou. j'ai tout remonté. Regardez, je vous le montre. Mon joujou d'aujourd'hui. Vous le verrez mieux à la caméra après. Je fais joujou.
J'essaye des techniques. Je fais des trafics. Il y a celui que j'ai fait cette semaine aussi, là. J'en ai fait. Ah, avec les serpents. Mais je leur avais montré les serpents, non? Non. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, il y en a partout. Coucou, bah cool, ça va et toi? C'est qui? Dolo qui parle à Grazi. Ah. Il appelle les bacouilles. Elle a... Merci Alexandra. Bah, je suis pas très gothique, mais comme il faut des goûts et des couleurs pour tout le monde, et ben je fais joujou. Je me suis dit, il faut innover. J'y ai passé un brave moment dessus. J'avais fait mon petit médaillon, mais je sais pas, il est là. Aurélie qui demande, alors tu fais quoi de beau ce soir? Je fais, et là le petit médaillon de ce matin. Les photos du shooting sont vraiment magnifiques et ta fille te ressemble énormément de la part de Claire. Merci beaucoup Claire. Vous n'avez pas tout vu encore, on n'a pas tout mis encore. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de faire tous les montages. C'est magnifique, j'adore. Alexandra, c'est super. Coucou ma chacha. Bon. Si vous voulez aller sur YouTube, vous verrez mieux. Et alors ce soir, je vais pas forcément faire un ongle, je verrai, ça va être selon mon humeur. Je vais surtout vous, là pour le coup, vous faire un vrai live technique. On a reçu, vous savez, les poudres velours. Alors il y en a qui connaissent et il y en a qui connaissent pas. C'est donc les petites poudres comme ça. On en a fait rentrer 5 couleurs. Voilà. Alors vous allez me dire, pour celles qui connaissent, oui, bah, c'est vu et revu. En fait, non. Vous savez, je dis toujours, Magicard, c'est un minimum pour un maximum. Et en réalité, avec ces petites poudres, on fait plein, plein, plein de choses. Mais plein de choses utiles en technique. Et du coup sans forcément dépenser beaucoup de sous parce qu'elles vont nous servir à plein de choses. Les possibilités sont énormes en fait. En déco bien sûr, comme je vous ai mis l'autre jour que j'en ai fait. Là. Alors je vous montrerai si vous voulez comment on fait. Je les ai perdus. Tellement joujou avec tout ça. Bonsoir Nadia, bonsoir Zabou. Voilà. Coucou Gaël. Aurélie qui dit ah bah bravo, je t'avais envoyé plein d'idées. Mais bon. Oui, mais j'étais ce soir, j'étais plus dans tout ça. La semaine prochaine, je vous ferai un défi, mais ce soir, j'étais plus partie pour vous apprendre justement certaines choses. Comme de la déco, vous allez le voir à la caméra, on peut faire donc le velours. Mais vous allez voir que je vais vous montrer comment on fait cette déco qui plaît beaucoup. Moi, j'adore. Alors, c'est vrai qu'elle s'use. Elle s'use avec le temps, mais en même temps, les ongles aussi s'usent. Et puis, comme toute couleur, quand on la met, il y a la démarcation, elles vont un petit peu... la poudre va un petit peu s'user, mais autant qu'un sugar finalement. Moi, je l'aime pour plein d'autres choses. Donc, je vais échanger la caméra et je vais vous montrer. Allez, je change la caméra. Hop là, et voilà. Oui, il est bon, ça ira pour cette fois. Ouais. Et là, évidemment, il faut que je règle la netteté. Et je cherche... Mais quoi, c'est celui-là où tu descends? Non, d'abord,
Je vais la descendre, mais d'abord, je voudrais ouvrir mon programme. Non? Mais je la descends un peu, non, pas Oui. du tout. Ouais, vas-y, descends là. C'est parce que je veux régler la netteté. Parce que il fait son zoom tout seul, sa netteté, mais je sais pas pourquoi, il déconne toujours. Ciel. Il fait la netteté là. Comment tu le vois sur le téléphone? Tu vois bien. C'est propre là. Facebook, YouTube. YouTube. C'est propre l'image, dis donc. Tu vois, je l'ai pas aussi bien sur mon ordi. Donc ça veut dire faut que je change mon ordi. Ouf. Mon image est moins bien sur l'ordi que sur ta tablette. C'est pour ça que je galère à chaque fois à le régler. M'achète une tablette. Mais j'ai mon ordi en bas hein, qu'il faut réparer, mais Vous voyez la bestiole du coup Oui, là. c'est sublime. Ah, le médaillon, il est là. Mais je l'ai pas Du coup, je fini. voulais demander justement, mais je pensais des trucs velours quelque part. Ouais. Je l'ai pas fini le médaillon. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire mes expériences avec le médaillon. Et du coup, après, eh ben, j'ai basculé sur lui. Je vous le montre de près. Hop là. Que j'ai fait joujou joujou hein. Émilie, coucou ma belle, ça va? Coucou Émilie. Mode trop beau. Voilà. Bon, je suis pas très gothique moi à la base, mais je me suis amusée. Lily, vous les médaillons, un jour tu m'apprendras à faire les skulls. Après, je vous apprends tout ce que vous Patricia, ah voulez. oui, on voit mieux là, c'est superbe. Et il m'a pris un peu de temps quand même, hein, hein chérie, Les sabots, franchement, c'est une tuerie, bravo. entre tout sculpté. Magnifique, l'Océane qui dit magnifique les détails. Il y en a des détails là. Et Lilip qui dit oh, je le veux. Celui-là, il va dans ma collection. Mode, les détails sublimes. Voilà. Mais que j'ai fait de ma sacoche? Parce qu'il y a tout ce du. Je sais pas, elles veulent peut-être voir. Tu as mis combien de temps pour le faire, Oh, pour le faire? j'y ai mis un moment, hein. Combien de temps j'y ai mis, chérie? J'ai mis un bon moment là. Je vous montre. Celle-là, c'est la boîte au trésor. Ça, tu l'avais rentré la semaine dernière déjà. Tu l'as fait avec quoi, s'il te plaît? Il est en gel. Il est tout en gel. C'est que du gel. Ça, c'est mes bébêtes aussi. Je vous les montre de plus près. Il y avait lui, les vieux lui.
Celui-là qui a été fait pour le shooting. Vous savez, sur les ongles rouges. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Ben, ceux-là, les miens, que vous avez déjà vus. Mais là, la caméra, elle veut bien me faire des netetés. Zabou, la caverne d'Ali Baba. Là, oui. Mais ça, c'est. Aïe, c'est. Ah, je me suis piqué. Bon, lui, il s'est cassé, faut que je le répare. Il a perdu une des pampilles, là. C'est l'aigle, tu sais. La fait elle Ouais. et Ça, les c'est nids qui les. cartonnent. Ça, c'est les. Ceux des anciens posters. Regardez la finesse. Ouais, je vais faire un musée. Vous savez que en réalité, j'ai un tableau avec tous mes premiers et dans la chambre de Ambre. Là, avec la dentelle. C'est tout en gel, hein. Tout ça, c'est que du gel. Là, il y a les féeriques. Ouais, c'est un vrai musée. Mais j'en ai plein de musées. Ah, il veut pas me faire de netteté, là. Ouais. Et le serpent, il va les rejoindre. En fait, il veut pas faire la netteté parce qu'il y a tellement de. Ah, ça y est. Tellement de. Mais je l'avais fait vite fait celui-là. J'avais voulu essayer. Il faut les mettre au coffre avec précieux. Ouais. Et là, le dernier. C'est vrai que je suis assez contente de celui que j'ai fait. Zabou, merci pour ce plaisir des yeux. Voilà. Mais j'ai des trésors, j'ai la boîte des formes extrêmes. J'ai les boîtes avec les Nayarts. Ça, c'est vieux aussi. C'est quand j'avais fait le concours de Trébosy. Et tous les petits oiseaux, je les ai peints à la main en aquarelle. Et après, j'avais remis de la finition que dessus pour que ça fasse comme si j'avais collé des stickers. J'y avais passé un temps. Je ne sais pas si vous voyez le reflet. L'ongle est mat et les petits oiseaux sont brillants. Moi. Il y avait lequel ici? Il y avait les cygnes. Les cygnes, ils sont tout petits. C'est tout en gel aussi. S'il veut bien faire la netteté. Voilà. C'est tout en gel. Ouais. Des fois, je m'amuse. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le gorille, je vous l'ai montré. Le petit chat. Il y avait lui. Linéo, coucou ma Vivi, coucou tout le monde. Coucou. J'ai la bouche ouverte. Après, j'ai les boîtes à bijoux, comme ça, où je fais des bijoux. J'ai les peintures. Il y a quelqu'un qui veut voir les peintures? Parce qu'après, moi j'ai l'impression que vous les connaissez tous, mais c'est vrai que souvent vous me les redemandez à voir. Celui-là, c'était un live que j'avais fait l'année dernière. Je l'avais fait en live, lui. Ceux-là, ils sont hyper fragiles. C'est ceux de les vintage de Marine. Je suis assez fière quand même de celui-là que j'ai fait aujourd'hui. Mes petites araignées et tout. Ça fait des sacrées pièces, hein. Voilà. Patricia, impressionnant. Maud, je suis admirative, tellement beau.
Océane qui demande oui, les peintures. Tu veux voir les peintures, Océane? Tu peux me passer la boîte Qui bleue, se là, met, chérie? comment tu fais, tu sculptes? Oh là là! Je fais du fil à fil, je sculpte, je fais plein de méthodes que je vous enseigne en formation. T'as failli faire tomber. Après, les autres, ils sont accrochés au mur. Hein. Je leur montre les derniers, c'est tout. Il y a lui. Je l'avais fait pendant le confinement, lui. Après, il y avait tout cela, c'est ceux du confinement d'ailleurs, du premier. Ceux-là, ils sont. Alors, ceux-là, ils sont en gel paint. Ça vaut de l'or. Emily qui dit Océane, oui, moi j'aime trop. Cela, Bonsoir Stéphanie. c'est en plastiline. Faut que j'enlève un peu de blanc pour cela. Voilà. Ceux-là, ils sont faits en plastiline. Alors, c'est vrai qu'en photo, ça rend pas, on voit pas comment c'est petit en photo, en Je le vois réalité. bien. Ouais, on les voit bien là. L'une de mes fiertés, c'est lui. Parce que lui, il a deux personnages en réalité. Il a Capitaine Crochet. Et il a Peter Pan. Et lui, je me suis levée un matin et je me suis lancée un défi toute seule. Je me suis dit, allez, je mets deux personnages sur une seule capsule. Ah. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ceux-là. Alors, ceux-là, c'est la formation online. Vous savez, les lignes fines. Vous voyez, c'est tout petit, 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 petit. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de l'intensité de lumière. Ceux-là, je les ai mis en online. Qu'est-ce que tu cherches, chérie? Si tu peux, ils sont pas cloués en fait. Posé, c'est tout. Ils sont Ils cloués. sont emboîtés. Non, tu. Ah, celui-là, on ne peut pas l'enlever. Les petits, oui. Je les enlève et je les remets Non, il constamment. y a des clous aussi. Non, mais tu les tires. Faut enlever celui d'en bas en premier. C'est celui d'en bas en premier. Il suffit de le tirer. Tout ça, c'est du confinement, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça, c'est en gel peint. Ça, c'est du gel peint aussi, en imitation aquarelle. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Ça, c'est imitation aquarelle. Ça, c'est des essais. Vous savez, je fais beaucoup de trafic. Ça, c'est un cours que j'avais suivi en ligne. Ça, j'avais m'étais amusée pendant le confinement. Là, c'est du one stroke. Là. Après. Alors, ça, c'est du cristal. Et le soufflant, l'œil est magnifique. Voilà. Là, c'est du cristal. Je ne sais pas si vous voyez. C'est les effets Eric cristaux. qui dit oui quand la collection Clochette est sortie, que tu as fait le Peter Pan. Ouais. Oui, c'est quand la collection Clochette est sortie. Là, c'est. Alors, en fait, je fais que du gel paint. Hein. Ça, c'est du gel paint aussi en imitation aquarelle. J'adore faire ça, en fait.
Le gel paint en imitation aquarelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, c'est du one stroke, c'est assez basique. Là, c'est de la plastiline, cela. Voilà. Là, c'est de la plastiline. Oups. Là, c'est en gel. Zofal. Le cristal philosophal. Non, non, c'est fait avec le forming cristal. Il y a une méthode pour le faire. Là aussi, c'est fait avec le forming. Là, ma petite clochette. Elles ont des bugs? Non. Florence qui dit ouais, bug. Alors, Alors, moi j'ai. j'ai un médaillon de toi en fleurs peinture que tu m'avais donné quand C'est j'étais vrai, Laure. pour Oh faire le là là. gâteau de couche à Nîmes. C'est vieux, ça. Ouais, un bijou qui vaut plus que de l'or. Là, c'est l'effet velvet. Vous savez, c'est. Ben justement, c'est peindre sur un effet velours. Voilà. Après, il y avait quoi? Tiens, cela c'est fait. Après, après c'est là aussi. C'est là que nous avons en fait, Hein? là. Oui, ah là, celle-là, je ne les ai pas montrées. Ok. Vous direz merci à Océane. Hein? C'est Océane qui a dit il faut que je les sorte. Bon, là, elle s'est cassée, la pauvre, avec le salon. Les deux là, elles se sont cassées au salon de Marseille l'année dernière. Faut que je le refasse. Là, c'est des petits bouquets. Donc, ça, c'est en plastiline. Ça, j'essaie de vous mettre prêt. Ça, c'est en résine. Ah, là, c'est en résine. Là, c'est vieux. C'est de la plastiline, là. Et du speeder gel. Là, c'est de la plastiline, pareil. Et du speeder et des strass. Ceux-là, bah, je crois qu'à force, vous les connaissez, hein. Donc, c'est ma collection noir et blanc. Apparemment ça bug sur YouTube. Et toi, tu vois bien sur YouTube? Ah ouais. Bah, c'est Dolo qui bug. Voilà, là c'est mes petits animaux, j'adore ceux-là. Oh, je l'enseigne en formation, tout ce que je vous montre, je l'enseigne en formation. Hein. Bon, là c'est du one stroke. Là j'avais fait un essai, un œil de dragon. Voilà. Zazou, pas de souci, il y a le replay de toute façon sur YouTube. Voilà, ensuite là c'est du one stroke, un peu débutant, un peu. Je fais des essais. Il faudrait un jour que je les range mes capsules comme il faut. Voilà, là c'est mes petites poupées. Là c'est noir et blanc. Là c'est mes vintage. Bon, elle, l'autre jour j'ai voulu la décoller et elle s'est cassée. Il n'y a plus de son apparemment sur YouTube. Il n'y a plus de son sur YouTube. Moi, je vois que ça marche super bien en fait. Et je suis bien connectée sur Orange. Je sais pas, les filles. La plastiline, j'ai essayé, mais pas réussi. Oh, c'est facile la plastiline. Après, celles-là, je ne vous les ai jamais publiées parce que. Je vais mettre dans le bon sens. Je ne les ai jamais publiées parce qu'en photo, ça rend pas du tout. Et en réalité, ben, c'est super sympa à faire. Je ne sais pas si vous voyez. Ça marche, oui. Si, il y a du son, Karine, sur YouTube. Vous voyez, bah c'est, je pense, avec les orages et tout ce matin, ça a tonné ici, un truc de débile. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Pff, tout
Tout ça, c'est ce que je m'amuse à faire. Voilà, mes heures perdues, je fais, je joue. Bon, vous en connaissez une partie. Après, il y en a que je publie pas parce que en photo, ça rend pas du tout. Et d'autres, celles-là, moi, je les adore parce qu'on a l'impression qu'elles sont en 3D, mais c'est de la peinture. Et c'est que des jeux d'ombre et de lumière et ça m'éclate à faire ce genre de choses. Après, bon, là, je fais des essais. Mais bon, je les garde, je garde tout de toute façon. Ça, c'est bah, Alix, ça va les reconnaître. Hein. C'est la formation One Stroke. Alors, c'est un One Stroke débutant, mais vous savez, mes formations online. Et en réalité, il ne faut pas forcément les recopier. Il y a plein de techniques. J'ai fait un effet Sugar, il y a un dégradé derrière, il y a des fleurs. Mais bon, je fais tout sur les mêmes capsules. Donc tout ça, c'est la même formation. Océane, je pense que tout le monde va te maudire parce que à cause de toi, je montre tout. Ah oui, Karine, toi aussi. Ça, c'est le 8 and 8. Comme tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est le 8 and 8 plus simple là, façon débutant. C'est la formation aussi d'ailleurs. Elle est en formation. Là, c'est les petits papillons. Ils y sont sur la formation, ceux-là. Sur la formation online. Très jolies ces fleurs de la part de Marie. Quel Merci talent de Marie. Géraldine. Là, c'est mes petites roses. Ah, une rose fermée, une rose ouverte. Après, j'en ai tellement que je vous montre ça. Puis voilà, là, c'est du One Stroke. Donc là, pour débutants. Aussi, faudrait que je le fasse en formation, cela sur en online. Là, c'est des essais pour Noël. Alors, pareil, vous les connaissez pas, elles sont pas en photo parce que bah, ça rend pas du tout, ça fait moche en photo. Et je les avais créées pour Noël. Et comme j'ai pas réussi à les mettre en photo, bah, personne sait que j'ai créé cette collection pour Noël. Voilà. Tu nous vends du rêve, tout est canon, j'adore. Merci, fille. Là, c'est, vous savez, c'est quand on disperse. Vous savez, on met un gel clear et on met des gouttes et ça fait ça. Voilà. Là, c'est une flower ball, mais j'ai fait un essai. Le problème, c'est que c'est moi et mes essais, j'exagère toujours, quoi. Voilà. Là, c'est des. Alors là, c'est un peu en 3D, c'est un peu du relief. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est un mélange. Pareil, c'est des essais que j'ai fait. Il y a du stamp, il y a du refait à la main, il y a du. Là, un effet chrome. Là, c'est. Lucien, il dit qu'il faut que tu les fasses en TikTok. En TikTok, oui. Je sais pas faire TikTok et je commence à peine là, avec TikTok. Là, c'est des marbrés. Mais là, c'est toutes des capsules d'essai, de test. Voilà. De temps en temps, je prends un pinceau et je fais des tests. Mais je vous les mets pas en photo, ça fait pas beau en photo. Chris, tu as dû passer des heures à faire tout ça. Oh! Chapeau, c'est superbe. Si vous saviez, j'en ai des milliers et des milliers. Parce que là, vraiment, sur cela, il y a des tests. Hein. Ça, c'est un test. Marie-Jo, tu as beaucoup de talent et d'imagination. Là aussi, c'est des tests. Je fais des tests. Alors, dans mes tests, je fais des trafics. Alors, ben, là, c'est pareil. C'est du velours avec du speeder. C'est des tests. Là, c'est vraiment la série je teste, je fais. Alors là, dans mes tests, là, il y a un effet cat-eyes. Je sais pas si vous le voyez. Avec du stamp et avec je sais pas quoi. Là, il y a un effet cat-eyes. Ah, il va pas vouloir me zoomer. Ah, bon, alors là, il va pas nous. Ah, ça y est.
Là, il y a un effet cut-ice et du stamp, tout simplement. J'aime bien faire des cut-ice comme ça et mettre le stamping dessus. Mais je peux pas vous le montrer en photo, ça rend pas. Ça va bien, hein? On le voit bien. Oui, on le voit bien là. Mais en photo, ça se voit pas. Alors, je publie pas. Là, toujours pareil, c'est des cut-ice. Alors là, j'ai fait plein de mélanges de cut-ice, du stamp. Après, je reprends à la main. Voilà, je bricole. Là, c'est pareil. Là, il y a un cut-ice, c'est du one stroke par-dessus. Mais en photo, c'est trop moche. Voilà. Là, c'est des vieux 8 and 8. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, là, j'avais commencé un tout petit portrait. J'avais galéré avec du 3D en plastiline. Là, c'est quoi que j'ai fait? Ouf. Alors là, j'ai fait un test. J'ai incrusté la plastiline dans du gel, mais j'ai fait étape par étape. Mais ça n'a pas rendu. C'était échoué ce test. Bon, là, c'est échoué aussi. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas, c'est échoué. Cela, bon, c'est pas trop mal. Là, c'est un test échoué. De toute façon, là, c'est tous mes tests échoués. Voilà. Voilà. Je vous ai tout montré. Tous mes tests. Avec des jolis aussi là-dedans. Mais bon, après j'en ai des boîtes et des boîtes et des boîtes. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'en ai encore là-dedans? Je sais que j'en ai partout. J'en ai encore là. Ça, elle est une histoire celui-là. Alors celui-là, il y est. Il est en online. Mais il a toute une histoire celui-là. Eh ben, je vous la raconte pas parce qu'il faut aller voir le. La formation. Ça, c'est bah, c'était pareil. Je les avais fait sur Ici on forme. C'est des formes que j'ai. Alors, vous savez, pendant le premier confinement, j'avais inventé des formes en live. Voilà. Le gel, il est tout. J'avais fait ça en live. Celui-là aussi, il avait plu, celui-là, en live. Voilà. Ah, celui-là, vous le connaissez, il n'est pas très vieux, celui-là. Je ne l'ai pas mis encore dans les boîtes. Celui-là. Oui, Christelle, tu l'as fait, toi. Et t'as vu, il a toute une histoire, hein, Mais bon, elle s'est éclatée, Christelle, de mes souvenirs. Ceux-là, vous les avez vus. Je les ai publiés il n'y a pas très très longtemps. J'avais fait cette petite collection. Je les avais oubliés, celle-là, dis donc. Petite collection de coucou Mag. Oh, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Ça, c'est un test aussi. Là, c'est des tests qui ont échoué. Moi, pas plus celui-là. J'ai fait. Celui-là, je l'ai fait refait, refait. Les fameuses roses, mais Patricia. Hein? Patricia, mais les fameuses roses. Ah, peut-être. Je vous les ai publiés, celui-là. C'est une formation que j'ai commencé à préparer. Et puis, je suis passée à autre chose. Mais bon, il suffit que je publie et que je vous dise. Formation. En fait, je fais plein de choses. Et puis, vous savez, j'oublie après de vous. C'est la tienne celle-là? Ah oui, c'est la tienne celle-là. C'est celle qu'on avait fait pendant le confinement. Ben ça, c'est Seb qui avait fait. J'y avais appris à faire avec ses gros doigts pendant le confinement. Voilà. Je pourrais vous en montrer pendant des heures, hein. Il y en a partout, de toute façon. Il va me falloir un local rien que pour mes rognures. J'ai quoi là-dedans, au pauvre? Il y en a encore plein là. Alors là, il y a quoi?
Ben, là, il y a plein de vieux trucs. Merci Marie. Il y a plein de vieux trucs là. Là, j'avais peint sur une agate. C'est sur une agate, ça. Oh! Si à papa ose les fameuses roses, et après, mais oui, je bats toujours avec. Ça, c'est pendant Mister Art que j'enseigne ça. Alors, le sujet, c'est au choix. C'est les élèves qui choisissent. Alors, je m'amuse à faire des bouquets. Vous en voulez des boîtes, vous? Ça, c'est une prothèse amovible. Je vois pourquoi elle est là. C'est celle de la première formation, je crois, elle. Non, ou un live peut-être, je sais pas. Là aussi, il y a encore des fleurs. Ouais, au pétard. Ça, c'est le concours Swarovski. C'est une des ailes du concours Swarovski. Là, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. À l'intérieur, il y a les pyramides. Ah là, hop, il y a les pyramides incrustées. C'est ça, c'est le musée des ongles de Vivi. Là, c'était lors d'un défi, lui, c'était Édouard aux mains d'argent, celui-là. J'avais fait un ciseau pendant un live. Faudrait qu'on reprenne les vrais défis, hein. Les vrais défis, on pourrait reprendre, hein. Il y a mon dragon, normalement, quelque part. Là, c'est le phénix. Il est où, le dragon? Il est là. Hop. Sabine, bonsoir, comment on fait une prothèse amovible? Oula. Eh bien, je vous l'enseigne en formation. Dans la formation poster, il me reste de la place, si vous voulez. Alors, je vous explique quand même la formation poster en juin, là. 31 mai au 4 juin. Ça, c'était pareil. C'était lors d'un défi, j'avais fait une sculpture en chocolat, mais avec du gel. Il y a un tas de bordel, je vous jure. Ben, voilà. Lui, Mag va s'en rappeler, il s'est cassé. Lui, c'est le premier défi de Vivi. C'est le tout premier live des défis de Vivi il y a 5 ans. Mag va s'en rappeler puisque c'était sur son doigt. C'est le tout premier. Bah, tu voulais que je les mette tous si c'est pas dans la boîte? Je sais même plus où les mettre, moi, tellement il y en a. Ça, c'est quoi? C'est un essai. Ah oui, il y a le petit toucan là aussi. Ça, c'est bah, une prothèse amovible. Hop. Mais il est en forme de toucan. J'en fais des conneries quand même. Hein. Fallait avoir l'idée de faire un ongle en forme de toucan. Alors là, Karine, alors je vous explique, parce que j'étais en train de vous montrer tout mes. J'ai cassé? Non, j'ai cassé. La formation qu'il y a du 30 mai au 4 juin, c'est la formation poster normale. Alors, je vous explique. Elle dure 3 jours et 5 jours. C'est-à-dire que sur 3 jours, on va faire. Premier jour, on va apprendre à faire la prothèse. Alors, le matin, on étudie votre projet. Ensuite, je vous apprends à faire la prothèse amovible. Ensuite, l'après-midi, bah, on monte la prothèse amovible. Le deuxième jour, on finit de monter, on décore. Le troisième jour, ça c'est pour le 3 jours, je vous maquille, je vous coiffe, je monte le champ vert et je vous fais toutes les photos. Là, c'est vraiment moi qui ai toutes les casquettes. Donc ça, c'est pour la 3 jours. Vous repartez avec une clé USB et vos photos qui sont du coup en haute qualité. Ensuite, celle qui reste 5 jours, elle a le même programme, sauf que le troisième jour, comme elle va partir sur des ongles beaucoup plus longs, beaucoup plus travaillés,
elle va continuer de faire ses décos, ses machins, pendant que je fais le shooting des autres, mais je jongle sur les deux tableaux, hein, on est tout ensemble. Elle finit donc de monter ses ongles, je dis du coup on fait le shooting, on finit, on fait le shooting, je maquille, je coiffe, je machin, et le vendredi, je vous apprends à faire le montage photo. C'est-à-dire que dans la 5 jours, je vous apprends à enlever les fonds verts, à faire tous les détourages, à changer vos fonds, que ça soit sur l'ordi ou que ce soit sur les applications de téléphone, puisque bien sûr, sur l'ordi, vous pouvez faire du poster, le faire imprimer, du téléphone, c'est juste pour les réseaux sociaux, donc je vous apprends à gérer tout ça. Donc voilà, ça c'est la formation poster traditionnelle et il me reste de la place pour celle, la session là du 30 mai au 4 juin. Donc, et c'est... le Falcon Poster, c'est avec les oiseaux. Et le Falcon Poster, et ben, c'est avec les oiseaux. Et je la fais de deux façons. Il y aura, comme je fais le shooting une fois par an, là, l'avantage, c'est que je peux faire et du présentiel avec donc une session de préparation voilà, au Falcon Poster. Et je peux le faire aussi à distance, comme je l'ai fait avec Christelle. Christelle, elle a fait à distance. Donc, il y en a voilà. Plus d'une qui aimerait avoir ton petit bordel. Sandrine, bonne nuit à tout le monde. C'est tellement beau, mais je ne tiens plus. Merci à allez, vous bonne pour nuit. Le live. Allez, je vais vous montrer du coup... Est-ce que vous avez des questions du coup avec tout ce que je viens de vous raconter Et bien sûr, pour toutes ces formations-là, je fais les prises en charge. Hein ? Avec le Covid, de toute façon, je pense que pour le moment, on va bien garder les prises en charge pendant un brave moment. Alors, je vous montre le velours, ce que ça donne sur... Hop. Merci, Anne. Moi, j'aimerais tout apprendre. Alors, le velours, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de lui faire la netteté au pépère, s'il veut bien. Alors, le poster, c'est chouette parce que je vous pousse dans vos limites et en plus, il y a plein de façons de faire les prothèses. Il y a la prothèse amovible avec la technique traditionnelle et la nouvelle méthode que je viens pile poil d'inventer il y a 15 jours et où vous apprenez à monter des prothèses en 5 minutes, à les monter. Après, comme ça, on a tout le temps qu'il faut pour la déco. Donc, c'est un autre travail, c'est autre chose en réalité. Mais ça, je vous fais choisir pendant les formations où on reste sur... vous apprenez à faire une forme et à limer une forme et tout ça. Ou alors, je vous apprends à faire ce que je vous ai montré tout à l'heure et à monter surtout la prothèse en 5 minutes. Donc, voilà les poudres velours, ce que ça donne quand elles sont en ongle plein. Le blanc, bien sûr. Moi, il ne veut pas trop faire la netteté. Il suffit d'en rebloquer, Océane, tu sais comment je fonctionne. Hein. Là, j'avais ouvert cette date parce qu'on me l'a demandé. Si y a une date qui t'intéresse, il suffit de m'appeler, on bloque la date et puis je lance. Voilà. Hop. Voilà la poudre velours, ce que ça donne. Bah oui, mais moi, j'ai fait les amovibles avec toi en ligne. C'est la nouvelle méthode. Non, Karine. Hop. Laetitia, bonsoir. Dans quelle formation online on peut voir les prothèses amovibles? Elles y sont pas, Laetitia, en online. Elles sont que en présentiel ou... en fait, ce que j'appelle le présentiel, c'est visio ou présentiel. Mais ça, j'en fais régulièrement. Hein. La prothèse amovible tout seul, c'est une journée. Voilà. Vous voyez bien la poudre velours? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bébêtes? Ces bébêtes-là. D'accord. S'il veut bien me faire la netteté. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire hormis peindre sur un ongle? À votre avis? Ouais, Christelle, montez en 5 minutes. Eh bien, tu vois, mais les ongles féeriques, la structure a été montée en 5 minutes.
Super, merci, ça m'intéresse. Mais il faut que Laetitia, tu te contactes par téléphone sur la ligne du bureau. Et on Oui, verra. ça fait des poils. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces poudres-là? Je vais jouer un petit peu aux questions devinettes. Une prochaine date, Vivi, propose un poster, s'il te plaît. C'est marrant, ça fait des poils. Ouais, ça fait des poils. C'est tout doux. Moi, j'adore, c'est tout doux. Ah, s'il voulait bien me faire la netteté, je serais contente. Voilà. Et ça fait des petits poils. Alors, j'ai choisi ces couleurs-là parce que finalement, dans les décos, c'est des couleurs qu'on utilise assez souvent. Après, on peut en faire rentrer d'autres. Vous voyez, c'est des gros pots, hein? Donc, vous en avez pour un moment. Du relief. Alors, forcément, le 3D, ça fait du relief. Le 3D, la poudre velours, ça fait du relief. Mais non, on ne fera pas. Bah oui, Christelle, tu veux vraiment apprendre. Christelle, elle fait toutes les formations avec moi. Je vois pas moi, je vois pas de Tu peux message de faire en Christelle. incrustation. Oui, Alexandra, on peut faire en incrustation. Mais qu'est-ce que ça va donner en incrustation, à votre avis? Alors, dans le temps, ça va s'user. Ça a la même durée de vie qu'un effet sugar, j'oserais vous dire. On va dire au bout de 10-15 jours, il s'use, hein? Mais c'est pas moche. Ça s'use, mais ça fait pas vilain. Il faut toujours, vous voyez, mettre une couleur. Là, j'ai mis une couleur rose en dessous et j'ai poudré par-dessus. Donc, quand elle va s'user, de toute façon, Le rose reste la base. la base va rester. Pas de soucis, Alix. Là, en prothèse amovible et en plus, ancienne génération, vous apprenez les formes extrêmes. Nouvelle génération, c'est la méthode que je viens de mettre au point. Plume. Alors, là, je vous montre un style de déco qu'on peut faire. Hein, vous m'avez parlé de la déco, donc on peut faire de la déco. On va pouvoir faire aussi des petites décos comme ça. Tout, tout simple. Que j'ai fait? J'ai rien fait là. Et on va pouvoir aussi mélanger. Là, j'ai mélangé ma poudre avec des paillettes. Bon, un peu trop, je vous l'accorde. Voyez, j'ai mélangé ma poudre avec des paillettes. Bon, il y a un peu trop de paillettes, mais ça rend pas vilain. Alors, il y a toujours le même petit duvet. Oui, elle disait des plumes du pelage de perroquet. Voyez, avec les paillettes. Oui, Christelle, la nouvelle méthode, on peut le faire en une journée, bien sûr. Mais la nouvelle méthode, il va falloir que tu viennes. Marie, tu la fixes avec quoi l'effet poudre dans Je la vais vous montrer. définition? Je vais vous montrer Ah, comment Marie je vais Stoïc, faire. ça fait longtemps. Coucou Coucou Marie. Marie. Mais il va falloir que tu viennes, Christelle. Après, franchement, il y a des trains aller-retour Nîmes. Tu trouves à 50 euros, tu as pour Marina, c'est ça? Donc, tu fais un aller-retour et puis. Allez, je vais vous expliquer ce que vous ne trouvez pas. On peut faire en incrustation, mais vous ne m'avez pas dit quoi plus. Je vais prendre un papier.
Alors, vous connaissez. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Un gel. Tiens, je vais prendre le Forming Clear. D'accord? J'ai un problème avec mes pinceaux. J'ai pas rebouché au bon capuchon et du coup, je sais plus qui est qui. Je vais prendre le Forming. Moi, je sais, tu me l'as dit. Je prends mon Forming et on sait tous que le Forming, en fine épaisseur, pour celles qui ont fait les secrets, c'est un gel qui va pas, il va pas aimer être en fine épaisseur. D'accord? C'est un gel de construction qui a besoin d'être dans la masse. D'accord? Donc, je vais faire catalyser le Forming, vous voyez, en fine épaisseur, sans rien. Il n'y aura jamais de formation de prothèse amovible en ligne, Christelle a demandé. Il y a, alors, c'est pas en online. En online, il n'y a pas. C'est toujours via Zoom. Online, c'est-à-dire pré-enregistré, non. Non, parce que je vous apprends à faire les formes de votre choix. Donc là, je prends ma poudre et je la trempe. Hop là. Je trempe mon gel dedans. Et qu'est-ce que je viens de fabriquer, à votre avis? Vous savez, ce gel qui vaut cher, hein, que vous adorez. Le Milky? Non. C'est quoi? Ah, le Cotton Ace. Non, c'est en fibre. Eh oui. Je viens de fabriquer un fibre. Et vous allez voir, du coup. Donc là, tu peux le faire en fine épaisseur. Et du coup, on va montrer la différence. Alors qu'elle voit, je sors le premier. Hop. Je peux dire. Hein? Aurélie, tout le monde disait fiber et elle dit je peux dire. Tricheuse. Du fiber. Donc en fait, une petite boîte comme ça va vous permettre de fabriquer des fiber gel, de fabriquer des décos, de fabriquer plein de choses parce qu'on va pouvoir faire. Vous voyez ici le marbré. Et c'est ben, mélangé avec de la résine et demande des cristaux. Pas du tout. Non, non, c'est que de la petite poudre, c'est que des petits poils, un fibre. Avec le fond. Et oui, je viens de vous le montrer, c'est que des petits poils. Et là, vous voyez ce marbré qu'il y a au fond? Eh bien, je vais vous montrer comment on le fait. Eh bien, c'est fait avec de la fibre. Non, non, il n'y a pas de résine. Un fibre, ce n'est pas un acrygel. D'accord? Donc là, c'est mon gel sans fibre. J'ai pris un gel fragile exprès en fine couche. Hein. Et là, c'est mon gel avec la fibre. Hop, vous voyez, j'ai mis la petite fibre blanche. Donc, il est là, le fibreur. On voit, ça dépasse. Ça brille un petit peu. Ouais. D'accord? Donc, je prends mon gel. Mon Forming, hop. Il casse. Il se casse et c'est surtout là. Il va casser aussi avec la fibre. Mais c'est surtout, voilà. Là, il s'effrite. Hein, en très fine couche, il va s'effriter. Donc du coup, quand vous faites des formes extrêmes, vous voulez faire très 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 fin, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser les proformes. Et là, il casse. Oui, je l'ai mis vraiment encore en plus fin. Mais il va s'effriter beaucoup moins. Bon, je l'ai mis un peu plus fin, j'ai exagéré. Hein. Mais vous voyez, il s'effrite beaucoup moins. On a fabriqué un fiber. Tout simplement. On le sent, il est vachement plus. Bon, je l'ai fait plus fin en même temps. Hein. Il est vachement plus robuste avec la fibre que sans la fibre. Voilà la petite démo.
Donc, quand vous avez un gel, un ongle, vous savez, qui a tendance à s'effriter sur les points de rupture, et ben vous fabriquez. C'est pour ça que vous adorez les Fibber, d'ailleurs. Et moi, je ne voulais pas en sortir parce que, ben parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et je me suis dit, en même temps, et ben, il suffit d'avoir cette petite poudre magique pour fabriquer vos Fibber. Et en même temps, elle va vous servir à faire vos décos. Un VSP, pareil, vous allez pouvoir le mélanger dans du VSP, il va venir renforcer. En fait, c'est de la fibre. Voilà, c'est de la fibre. Donc, le blanc pour les cuirs, et vous allez pouvoir mettre le rose dans les covers. Hein, ça, c'est mes petites astuces, vous savez, les petites astuces de Vivi. Hein, voilà, quand vous voulez fabriquer hein, ben, un gel fibre, vous connaissez toutes, ça vaut cher. Et en réalité, c'est juste un petit pot comme ça. Vous en mettez un petit peu de temps en temps. Et encore une fois, ça vous permet d'avoir un pot pour tout faire. Et vous avez votre fibre. Et en plus, votre petite fibre, elle va vous servir à faire des décos. Donc, je vais vous fabriquer. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, du coup? Ça reste invisible. C'est complètement invisible. Je peux vous refaire... Bonsoir Sandrine. Hop. Vous voyez, j'ai pris ma boule de gel. Je prends ma fibre. Je vais en mettre un peu beaucoup. Donc, j'ai mis la blanche. D'accord. Je vais venir. Hop. Sandrine, bon ben maintenant je sais quoi rajouter à ma commande du mois prochain. Voilà, la carte bleue va fumer. Oh, c'est pas très cher. Non, c'est pas très cher. Et je vous ai fait des lots. Là, j'ai fait un sacré fibre. Hein. C'est même pas sûr qu'il catalyse tellement j'en ai mis. On le voit, hein, toute la fibre dedans. Vous voyez? Plus blanc que translucide. Hop, on la voit bien la fibre dedans là. Hop, si je tire. Vous voyez? Allez, je vais le catalyser. Si on en met de trop, ça ne catalyse pas bien. Ben on va voir, j'en ai mis beaucoup. Vous devez faire attention de respecter un 40%, un 40%, pas plus. Pourquoi je cherche ça moi? Je vais prendre le Proform Power One. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Ben si, tu vois, il catalyse. Il catalyse malgré toute la fibre que j'ai mis. Alors, je vous montre bien de près. Ça fait opaque. Ça fait pas opaque. Si, ça fait opaque. Voilà, on voit les petites fibres. Mais ça reste quand même... Et bien sûr, il est plus cristal, hein, c'est évident. Mais en général, on met de la fibre... comment ça dans... Hop. Hop, vous les voyez les petites fibres? Je tiens plus ma Vivi, gros bisous, à donner voilà. Un bêtis. On sent qu'il est... Voilà, les petites fibres le retiennent, quoi. Hein. On les voit d'ailleurs quand je casse. Et du coup, on l'utilise pour quoi, le fibre? Tiens. Vous voyez, ça, ben, il veut même plus s'effriter. J'en ai tellement mis qu'il veut plus s'effriter. Nino. Et du coup, on l'utilise pour quoi? En fait, pour renforcer. Je veux dire, tu vas utiliser des gels fibre. Vous voyez comment il veut même plus s'effriter, là? Truc de malade. Il veut plus s'effriter. Tu vas te servir des fibres sur des ongles qui ont tendance à avoir les points de rupture qui cèdent tout le temps. Le fibre va empêcher le gel de craquer.
En tous les cas, il va ralentir la craque. L'avantage d'acheter un produit qui n'est pas fini et de le faire vous, c'est que vous pouvez doser justement la quantité de fibres à mettre. Océane, est-ce qu'on peut le mélanger au proforme? Oui, bien sûr, tu les mélanges à tout ce que tu veux. Votre poudre, vous pouvez même la mélanger à de la finition. Il n'y aurait pas d'intérêt, mais comment ça, vous le mélangez partout où vous voulez. Alix, effet givré pour un défi extrême reine des neiges. Ouais. Allez, je vais vous montrer. Oui, on voit bien, ça fait comme des écailles soulevées de la part Karine. Oui. Je vais vous montrer justement en incrustation. Hop. Patricia, c'est top ça, du coup on peut en faire. On peut faire en couleur. Oui, tu peux faire en couleur. Tu vois, en couleur, ça va donner, ben, ça va donner le marbré comme je suis en train de faire. Tu vois, là, je le mélange à mon gel. Sandrine, à faire, c'est le produit magique contre les destructrices. Hop, regardez. En le mélangeant à mon cover, vous voyez, j'ai mis ma fibre. Hop, je catalyse, je vous montre hein, comment faire un petit. Bon, j'en ai mis beaucoup, comme d'hab. Hop, j'enlève. On va venir atténuer. Donc là, tu mets du... Je suis sur le ProForm Cover One. Je le mets entre deux couches. Hop. Ouais, ça va faire marbrer. Et ça donne un effet marbré. Tout bête. Avec juste de la poudre. C'est tout bon. Il y a plein de trucs à faire en 2-2. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui. Comment on va le placer du coup en angle plat? Allez. Pour pas m'embêter à limer mes capsules, je vais mettre du mat. D'accord? Moi, je fais souvent ça. Je mets de la finition mat sur mes capsules, ce qui m'évite de limer. Et quand je fais comment ça, du nail art, c'est mieux quand je vais peindre du détail parce que le problème du limage, même du bloc, c'est que ça fait des rayures et que ben, si je veux faire un œil avec des cils, et ben, les toutes petites rayures me gênent. Donc du coup, la méthode est de mettre du mat. Et je vous avais vu, je le laisse poser pour qu'il vienne un petit peu grignoter ma capsule. J'avais pas mis, j'avais dit, mais là pourtant, bon, c'est pas grave. On va continuer avec ça. Parti pour récupérer Ouais. les nuanciers. Ben, c'est comme ça que je les récupère. Qu'est-ce que tu crois? Karine, au cover, c'est le rouge et rose, c'est ça qu'on peut mettre dedans? Tu mets. Alors, pour faire un fibre
Tu vas mettre le rose si tu veux pas qu'il se voie, mais après tu mets toutes les couleurs que tu veux hein, dedans. Là, je suis sur la déco. On va le recoller quand même. Le pire, c'est que je l'avais limé, lui. Hop. Allez. Les couleurs sont sympas, la vie. Ben, c'est du basique. C'est des couleurs. Regardez, je vais faire avec le jaune. Le bleu, le rouge, un rose, Ouais. blanc et une couleur un peu moutarde. Donc là, j'ai pris un C'est... art peint. C'est le art peint jaune que j'ai mis. Donc je vous montre comment on fait en angle plein. Je mets mon jaune au fond. Vous voyez le art peint, une couche, hein, pour celles qui ne le connaissent pas. Hop. Ensuite. J'ai quoi? J'ai du bleu. J'aimerais bien finir ma palette un peu. Mais ouais, celui-là, là. Ouais. Et fluo. Je vais le mettre en dessous du rouge. Ça, c'est le pop art. On mettra en dessous du rouge. Putain, on a l'impression qu'il s'allume sous la lampe. Et Fait fluo. ouais. Et pour mettre en dessous du bleu, je peux vous mettre. Faut que je nettoie ma palette. C'est pour ça que je veux pas en Mais rajouter. le violet là. Ouais. Je veux pas en rajouter. Allez. Donc là, j'avais mis une couche de cover, vous vous souvenez, j'ai mis du rouge et j'ai recouvert d'un peu de cover. Là, je vais mettre une finition à l'arrache, comme d'hab. Vous voyez comme il faut. Christelle Baudin qui demande, ce sont les peintes en tube? Il y avait des deux. J'ai utilisé du art paint et du paint, Ils sont en tube les et du et peintes. du tube. Hop, je prends. Un peu de blanc. Tu peux zoomer un peu, demande Linou. Voilà. Je prends du blanc. Vous avez vu, j'ai mis de la finition.
Là, c'est le Harpent que j'ai utilisé, ça se voit. En fait, là, je disperse un petit peu mon blanc dans la finition pour donner. Mais comme c'est le Harpent, eh ben, j'en ai trop mis. Je me suis trompée de case. Le Harpent, du coup, il est hyper, hyper pigmenté. Voilà. C'était celui-là que j'aurais dû prendre. J'ai pris, bon c'est pas grave, maintenant je continue. Maintenant que j'ai un petit peu dispersé, je reviens tout juste à peine là, à certains endroits. Réintensifier. Charlotte qui dit Faut être bourré. t'as bu de la bière, Vivi, avant de faire Écoute, la morue. j'étais en train d'y penser. J'étais en train de me dire, faut être bourré pour faire. Et voilà, on a fait un marbré en rapido. Voilà. Allez, je vous montre. C'était quoi le rouge que j'avais dit là-dessus? Allez, hop, je prends de la finition. J'ai mis ma couleur, d'accord? Et là, je vais tirer ma finition. Alors, n'en mettez pas de trop de la finition, hein? Sinon, ça va absorber, absorber, absorber. Alors, on aurait pu faire qu'un côté, on aurait pu. Je vais vous montrer sur une autre. Voilà, j'ai mis ma finition et je viens poudrer. Mais alors, je poudre, hein, je recouvre complètement. Je recouvre et je viens légèrement appuyer comme ça avec mon doigt. Je ne frotte pas un effet, hein. Juste j'appuie. Marie qui demande quelle finition, s'il te plaît. C'est la super fast. J'appuie, d'accord? Non, trop beau le pop. Voilà. Et là, je catalyse. Récupère mes petits poils. Tu cuis combien de temps? Oh, je les laisse tourner. De toute façon, c'est de la finition, donc ça va vite, hein. Hop. Et là, j'enlève Le surplus. le surplus. Bon, j'ai pas mis assez de finition pour le coup. Comme c'est la fin de mon pot. Encore? Ah, je le mange. C'est un truc de malade. Je vais le refaire parce que j'ai pas mis assez de finition.
Bah oui, ça m'énerve si c'est pas bien fait. Tu m'en avais ramené une pourtant. Ah, ah non. Tu vois, j'en ai déjà plus. Je l'ai monté il y a 3 jours. Bah ouais, mais je dois la manger. C'est pas possible que j'en ai déjà plus. T'en as un tout neuf, hein. Bah écoute, du beurre, moustique et diamant. Tu sais quoi? C'est un rubber que tu m'as Non, non, je remonté. t'ai monté un super Eh pack. ben, j'en ai un neuf de rubber. Je t'en cherchais, hein. Bah, j'étais convaincue d'en avoir un quand même. Je vais en chercher. Je continue à chercher au cas où, hein. Mais je crois que je me fais arnaquer sur ce coup-là. Ou alors c'est moi qui est en train de l'arnaquer. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je le mange, je la mange la finition. C'est un truc de malade. Mais effectivement, j'étais. Bon, écoutez, c'est pas très grave, hein. Il va m'en remonter un. Voilà. Donc n'en mettez pas trop, mais en mettez-en suffisamment. D'accord? Faut pas que ça dégouline. Donc là, je recommence. Un sponsor qu'il te faut toi dans les produits. Voilà, faut que je sois fabricante. C'est ça. C'est ce qu'on a fait, non, je crois. Ouais. Allez, je recommence, je poudre, je recouvre. C'est clair, on la mange la finition. Ça part vite la finition. Voilà, j'ai appuyé un tout petit peu. Là, j'enlève le surplus. Voilà, là, ça a marché. Bon, le rouge, il sature, hein. Hop, je catalyse. Vous voulez que je vous montre avec des paillettes? Alors, quand vous voulez faire un dessin, on va en faire un sur un autre. Et ben, on fait pareil. Et dans le temps, Émilie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le temps, c'est comme un effet sugar. Il va s'user. Il va s'user. Alors, je vous montre pour faire un dessin. Je vais prendre par exemple mon jaune, mais je vais vouloir faire que sur la moitié. Donc je mets ma finition un peu à l'arrache de toute façon. Hop. D'accord? Pour la déco Noël, ça va tuer. Et je viens poudrer. J'écrase un petit peu. C'est pour que le pigment rentre bien, le poil, pardon, rentre bien dans. Donc là, je secoue le surplus. Et là, évidemment, voyez, je fais tout trop vite. Et du coup. Si je vous dis la bêtise que je viens de faire, de manière je fais des conneries. Si je fais pas de conneries, c'est pas moi. Mon mode a dit oui pour les paillettes.
Je vais vous montrer avec les paillettes. Marie aussi. En fait, là, il aurait fallu que je mette la finition d'abord, de partout, que je catalyse, et que je revienne faire ma déco. Vous savez pourquoi? Parce que là, quand je vais mettre la finition, après, je vais être en galère. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a l'habitude que je fasse n'importe quoi. Où c'est que j'ai... J'ai plus de dotier, c'est pas grave. Je fais n'importe quoi, hein, les filles. Et c'est pour vous montrer des trucs, les possibilités que vous pouvez faire. Donc voilà, j'ai fait, voyez, avec mon bois, je me suis amusée à faire n'importe quoi. Et je mets à catalyser. Voilà. Là, mon rouge qui est fini. Alors, je vais essayer de vous enlever la saturation là pour que vous le voyez comme il faut. Avec le fluo en dessous, tu penses bien. Vous voyez? C'est tout doux. Hop! Donc... Là, j'enlève le surplus aussi. Et c'est là la connerie que j'ai fait. C'est que normalement, vous auriez dû mettre la finition d'abord. Parce que là, mon poil, il risque de l'absorber. Patricia, ça fait comme avec la résine, en fait. Oui, au fait, sauf que c'est des petits poils. Inou qui dit il est beau ce rouge. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez faire un cœur par exemple, on va le faire en... Regardez, je vais faire un truc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Cette fois, je vais mettre ma finition. En fait, vous allez travailler la poudre velours exactement comme le sugar. Sauf que c'est des petits poils. Et comme je vous ai dit, moi, ce qui est important pour nous, en tant que PO et en tant que nous, fabricants, ce qu'on voulait, c'est que vous pouviez, puissiez vous en servir... pour faire des incrustations, donc de vous fabriquer vos fibres. Qu'est-ce que je peux faire comme dessin? Un cœur. Je refais un cœur de toute façon. Mon chéri m'aime plus en ce moment. Tu peux dessiner avant avec la finition, mettre les poils et catalyser. Je suis en train de faire. Là, j'ai mis ma finition. Vous vous rappelez, c'est mon marbré de tout à l'heure. Donc là, je fais un cœur rouge. Karine qui demande, et si on en met dans le rubber, ça fait quoi?
Bah, c'est pareil, ça va te solidifier. Il existe des Rubber Fiber. Cathy. Cathy, oui, petit coucou rapidos. Coucou Cathy. Bon, j'ai fait deux petits cœurs. Je les catalyse. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, on va faire ça. On va faire ça. On va faire un peu de géométrie. Après, on va chez l'esthéticienne pour enlever tous ces poils. C'est ça. Je sais même pas quoi faire. Je fais n'importe quoi, hein, les filles. Vous me voyez dans mes essais. Pas que pour un essai, pour le coup, mais je fais n'importe quoi. Je n'ai pas prévu de vous faire un dessin ce soir. Combien j'ai de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai fait pour mettre 2, 3, j'ai même plus compté, dis donc. Tiens, et avec le rouge, allez. Hop, voilà. Allez, je catalyse. Toute façon, avec la poudre velours, on ne peut pas être très, 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 très précise. À cause. Tes peintes ont l'air super couvrant. Ah, vous voyez, ça, ils sont hyper couvrants. Allez, je mets de la finition sur mon cœur. Hop. Et hop. Voilà. J'ai mis la finition.
Voilà. Et là, comme tout à l'heure. Vous savez, en écrasant, des fois, ça vient étaler un petit peu votre finition, hein. Donc, vous venez délimiter. Ben, je pousse pour refaire mon petit cœur. Voilà. Et je catalyse. Et c'est ce que je vais faire ici, en vrai. Tu vois, je vais faire d'abord mon blanc. Hop. Je fais d'abord mes traits blancs. Minou, on peut pas mettre directement sur le paint non. Forcément la finition. Oui, parce que en fait, dans le paint, ça va vous colorer votre poudre. Donc là, je tamponne, j'enlève l'excédent et là. Je délimite. Là, j'ai fait mes petits cœurs. Voilà, vous voyez, c'est tout bête, hein. Allez, ça a dû catalyser, je l'espère en tous les cas. Hop, j'enlève le surplus. Je vais faire mon jaune. C'est pas plus fait marbré. C'est sympa, hein? Ça va vite à faire et hein. Hop, vous voyez, j'ai délimité. Allez, je catalyse. Moi, j'ai toujours aimé la poudre velours et c'est vrai que c'était passé de mode, mais en réalité, voilà, là, je vous montre les nails art, c'est sympa, mais c'est surtout, voilà, n'oubliez pas, c'est pour fabriquer vos fibres, c'est top. Moi, j'en ai toujours eu dans mes placards. Vous savez, le truc bête, vous avez un ongle qui se casse, vous prenez votre poudre avec du rubber, tchic, 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 vous venez, ça vous évite de prendre de la fibre de coton ou quoi, vous avez votre petite poudre et elle va tout vous remplacer. Elle va vous réparer, elle va... Alors après, le rouge, le blanc j'en ai plus besoin. Alors, vous avez vu, en général j'évite de le faire dans mes couverts parce que après le pas de vis, eh ben, il a plein de poudre. J'en suis où ? J'en suis à mon rouge. Alors voilà, quand vous faites de la géométrie comme ça, il faut y aller step
Hein, vous pouvez pas, vous êtes obligé de faire une case par une case. Super, tes petites coupelles en triangle. Hop, j'écrase. Et je viens délimiter comme je vous montre depuis tout à l'heure. T'as à faire joli ça. Le bleu, ça va faire bizarre. Le rose. Oups, la caméra. Eh ben tiens, le rose, je vais le faire avec les paillettes. Allez, je prends un peu de rose. Patricia, on peut faire des pansements avec? Tu fais tes pansements. Quand tu as un ongle qui est cassé, au lieu de prendre votre, vous savez, votre fibre. Et de venir réparer comme moi là. Vous venez, enfin quand il est fissuré, vous venez, prenez votre rubber, vous tapissez de votre gel, vous catalysez et vous mettez, vous recouvrez de votre gel, vous poncez et vous mettez votre finition. Donc là j'ai mis, je cherche des paillettes. Hop, je vais prendre des paillettes à sugar, des effets sirène. Je vais en mettre un petit peu dedans. Voilà. Je vais tournicoter. Je mets ma finition sur mon trait. Ta tablette a eu chaud, je crois, chérie. T'es tout sage, chérie, rien ce soir. Vas-y avec ce soir. Hop, voilà. Géraldine, bonne nuit. Nino aimait. Il n'a pas de bonbons ni de magnum, alors il dort, Seb. Ouais, ben, pourtant il en a des bonbons. Mangeait déjà tout à l'heure. Et tu m'en as même pas donné. Bah, tu t'en veux pas d'habitude. Ben, ce soir, peut-être que j'en voulais.
pas gentil. Tu vois, vu en manger. Hein. Je suis concentrée dans mon truc. Merci, chérie. McDonald's, ça va être le retour bientôt. Ouais. Oui, nous t'as mis l'embrouille. Voilà. Vous voyez, c'est des petites décos sympas. Bon, je vous ai fait ça à l'arrache. Mais ça vous montre tout ce qu'on peut faire. Oui, c'est vrai, ça, Seb, il est malade. Oui, il a enrhumé, Seb. Ah, oh, je vais te taper dans la... Il boude, Seb. Non, ça, oui. Ouais, ça fait 3 jours que tu boudes. N'importe quoi. Est-ce que vous avez des questions? Je perds tous mes capuchons. Il me manque un capuchon. Voilà. Ben, mais c'est pour lui. Bah non, c'est pas lui. Allez, là. C'est pour ça que je m'embrouille. Minou, pas de questions, c'est bon. Voilà. Ça vous plaît? Ça vous a plu? Vous voulez voir d'autres choses? Non. S'il n'y a pas de questions, si vous voulez rien voir d'autre. Les secrets. De quoi les secrets? Oui. Quelle prochaine session? Elle est de... Je m'en rappelle plus. Tu me l'as dit tout à l'heure, je m'en rappelle plus. Elle est en juin, elle est du 4 au 7, je crois. Ce que je veux dire, Seb, c'est qu'il me reste de la place pour les secrets de juin et qu'on fait les prises en charge pour les secrets que normalement on ne les fait pas. Voilà. Joli. Sandrine, parfait, grâce à vous, on apprend encore de nouvelles choses. Merci beaucoup, que du bonheur de vous suivre. Merci les filles. Ben, vous savez que moi, mon objectif, c'est que vous fassiez des économies. C'est que vous appreniez à être rentable dans vos instituts. Et c'est pas en vous vendant des pots de gel qui vont périmer et qui vont rester dans des placards et qui sont pas forcément faits pour faire tout ce que vous faites que ça m'intéresse. Je reste à la formatrice que je suis à la base. Et comme je dis toujours, être formateur, c'est vous apprendre un métier. Un métier, c'est gagner sa vie. Donc il était hors de question avec Seb qu'on vous crée une gamme pour que vous perdiez de l'argent. Le but est que vraiment... comme je l'ai toujours été, hein, j'ai toujours été dans... Alors c'est vrai que je parle plus de ça depuis qu'on a la marque, parce que forcément, c'est plus mon objectif. Voilà, mes petites coupelles. Je range en même temps, parce qu'en plus demain matin, j'ai une cliente. Et tout le monde rouvre ses instituts, là. Tout le monde est content, je suppose. Et je vais dézoomer, elles ont vu. Karine, Vivi, où m'adresser pour avoir des infos pour les secrets de juin? Karen, téléphone-nous, tout simplement. Tu as le numéro de téléphone sur notre site. Tu nous appelles, ou si tu as de quoi noter, je te le donne. C'est le 09 09 88 88 36 36
54 84. Mais si tu m'envoies un petit message privé, je te l'envoie. Merci pour vos valeurs et d'être fidèle à vous-même. Merci, bah c'est normal. Moi c'est ce que je veux. Je voulais pas. Je l'ai toujours dit à Seb. Je voulais absolument rester la formatrice que je suis en créant la marque. Hop. C'est-à-dire vous apprendre voilà, à faire, à travailler avec les bons gels au bon moment. Pas vous vendre 50 millions de pots de gel, ça sert à rien. Travailler. Vas-y, Seb, as-tu mangé tous les floppies? Oui, oui, j'ai mangé tous les floppies. Mais il me les a même pas redonnés. Hein. Tu les as toujours là-bas. Je les ai tous mangés. J'en ai plus. Ah bon, Tender. Bah oui, c'est pour ça qu'on t'aime, Bibi. Il y en a un de ces bordels. Bonne nuit, ma Aurélie. Voilà tout le monde. Alors, bon. On vous souhaite à toutes une bonne reprise. Oui. Beaucoup de travail. Ouais. Et plein de courage. Ouais. C'était tout son discours de reprise? Ouais. Eh ben. T'es en forme? Ouais. Ouais. Bon. Moi aussi, les filles, je vous dis une bonne reprise pour demain. On croise les doigts. Je pense que là, cette fois, on reprend pour de bon jusqu'à septembre, octobre. On va lancer les pronostics. voilà. Vous savez, comme d'habitude, bah, tous les mardis, il y aura les défis. On est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez besoin d'aide, de conseils. Franchement, on le fait et ça nous fait plaisir de le faire. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. On vous embrasse. Ah oui, les ambassadrices, elles vous ont fait plein de lives. Je sais qu'hier soir, les pauvres, j'étais même pas là. Elles vous ont fait un super live apparemment. Elles savent qu'en ce moment, on est dans l'administratif. Nous, on n'est pas très très présents avec Seb. Et donc voilà, puis on a eu le shooting. Il y en a d'autres en projet. J'ai les secrets là au mois de juin. J'ai la formation poster. Enfin, je suis un peu sur mes formations, les préparatifs et tout ça. Et le salon de Marseille qu'on prépare aussi. Donc voilà, donc c'est clair qu'on a une chouette équipe et je sais qu'elles sont toujours là pour vous aider, bien sûr. Mais bon, vous n'hésitez pas, Seb, Carla et moi, au bureau, on est là aussi. Et surtout moi, il faut en profiter quand je ne suis pas en formation pour me demander des conseils parce que après, je deviens injoignable. Ouais, apparemment, ça a été sympa hier soir. J'ai pas pu voir. Bon, les filles, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. Pour moi, elles me semblent importantes, savoir fabriquer son fiber gel. C'est vraiment... voilà. Cette petite fibre va vous aider à fabriquer plein de choses. Vous l'avez vu, hein, à faire vos réparations, même pour un ongle naturel. Hein, un ongle naturel, quand il s'est fondu, vous le matifiez un petit peu. Vous mettez une fine couche... de rubber avec de la fibre, une finition, et vous l'avez renforcée. À quel moment pourra-t-on acheter les Falcon Posters? Mais t'avais reçu des tubes pour pouvoir... T'es toujours avec ton histoire de transporteur, là. Les posters? Oui. J'ai des tubes, oui. Mais t'as un problème pour la vente, c'est ça? C'est pour les frais d'envoi. Les frais d'envoi. Après, il faut passer par la poste. Live fait à l'arrache avec les filles, mort de rire, bisous. Oui, Alix, j'ai cru comprendre.
Ah, qu'est-ce que tu me dis, Karine? J'ai pas vu. Que tu puisses t'y préparer quoi? Ah, Marseille, c'est le. C'est en eau. Lequel du 7 novembre? C'est du le 7 et 8 novembre, je crois. Le salon de Beauty Prof. Donc voilà, mais je vais bientôt en parler. Les ambassadrices sont au courant. Le reste de l'équipe, je vais vous en parler bientôt. On attend, nous, de finaliser. Et puis après, on va avoir du boulot. On va avoir beaucoup de boulot. Voilà. Bon, bah écoutez, on vous embrasse, on vous dit à mardi prochain. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, tu avais quelque chose à dire? Non. Non? Oh, je coule. Non. Pourquoi mon oreiller, il est défait là-bas? Je sais pas. Moi, j'avais tout bien mis. Tu dors là? Non, j'ai une cliente demain et je voulais que tout soit. On lui laisse les bonbons sur la table. Non. Non, on les range les bonbons. Non. Ok. Hop là. Je leur montre en même temps la partie esthétique. Voilà. Ah, mon chéri remet mon petit oreiller. Voilà. Tu leur fais coucou? Voilà. Parce que Seb a fait la sieste dans l'institut, Razia, même pas. Non. Non. Bon. Bon, allez, on vous dit une bonne soirée. Bonne nuit, bonne reprise. En exposant Karine au salon. Bonne soirée, à mardi prochain, puis à dans la semaine de toute façon. Et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir tout le monde. Non? Il veut pas.